que je retrouve de nombreux amis et compagnons de différentes étapes de mon existence. C'est donc un plaisir particulier d'être ici présent ce soir, en dehors bien sûr et en plus de l'intérêt du sujet. Comme vous le savez, je préside depuis un peu plus d'un an maintenant, un an et un mois, un organisme nouveau qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité, qui a été installé au mois d'avril dernier par le président de la République, François Hollande. Je voulais vous dire un mot de ce qu'est cet observatoire et de la manière dont nous travaillons avant de venir à la laïcité en elle-même. Nous sommes 22 membres, 4 parlementaires, 2 majorités, 2 oppositions, 2 députés, 2 sénateurs, 2 hommes, 2 femmes. Équilibre parfait. 7 représentants des ministères principalement concernés par la laïcité, car à la limite, tous les ministères peuvent être concernés par cette question, bien sûr, l'intérieur, l'éducation nationale, la justice, etc., etc. Au niveau en général, les secrétaires généraux des ministères ou les directeurs des affaires sociales. Et puis le reste, ce sont des experts, des gens nommés à raison de leurs compétences, des gens très divers. Nous avons une ancienne éducatrice de jeunes enfants, nous avons philosophes, sociologues, juristes, de droit privé, de droit public. Et cette diversité même, je crois, est pour nous très riche. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas le même regard sur la laïcité, mais nous avons tous la conviction que c'est pas du tout une vieille lune, et que bien que ça date pour l'essentiel de la loi de 1905, c'est plus nécessaire, plus actuel, plus moderne que jamais. Alors, la question, c'était la laïcité en 2014, que nous avons convenu avec votre président. Et du coup, je me suis dit, mais en 2014, qui est-ce qui a changé par rapport à il y a quelques années? Comment prendre le terme de référence? Il y en a un qui me paraît simple et en même temps juste, c'est 1989. Donc voilà maintenant 15 ans. Non, 89, 25 ans. Oui, l'Alzheimer commence, si je ne sais plus compter. Donc 25 ans, c'est l'affaire du foulard de Créteil. C'est le proviseur du lycée de Créteil qui exclut une jeune élève parce qu'elle porte un foulard. Et je crois que on peut dater, si on veut chercher une date, de ce moment-là, le moment où la laïcité peu à peu est devenue plus présente, et présente sous des formes en partie nouvelles, dans le débat public. Mais cette présence a considérablement augmenté ces dernières années. C'est devenu un thème fréquent, je ne dirais pas majeur, fréquent dans le débat public. Et nous nous sommes interrogés à l'Observatoire, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, sur les raisons qui font que ce mot et ce thème sont venus ou revenus à un niveau élevé dans le débat public. Je crois que l'une des premières raisons, c'est la perte de sens, l'affaiblissement des repères idéologiques dans notre société, quelles que soient les convictions des uns et des autres. Et finalement, d'une certaine manière, et c'est dangereux, la laïcité est devenue une valeur refuge. Je ne veux pas caricaturer trop, mais quand on ne sait plus trop à quoi se raccrocher, alors au moins, il y a cette bonne vieille laïcité et la République, ce qui n'est pas rien, qui est extrêmement important. Mais c'est parfois par défaut d'une vision de l'identité française, d'une vision de l'Europe, d'une vision d'un projet politique partagé, d'une vision de la cohésion sociale, d'une vision idéologique, d'une vision social-démocrate de la société. Le deuxième point qui explique cette montée du thème laïcité et qui n'est pas rassurant, c'est que nous sommes dans une société où se développent considérablement les divisions, les conflits, les angoisses, les mécontentements, la peur de l'autre. Et la laïcité est parfois instrumentalisée comme une protection contre celles et ceux qui sont différents, et précisément et principalement contre les musulmans, ou contre nos concitoyens de culture musulmane. L'un des leaders politiques qui parle le plus de laïcité, c'est Marine Le Pen. Et ça n'est pas un hasard, et c'est un fait qu'on doit avoir présent à l'esprit, que nous avons présent à l'esprit, vous l'imaginez, dans nos débats à l'Observatoire de la laïcité.
je parlais de ce contexte de tension, de frustration, d'insatisfaction, de difficultés évidentes, considérables pour les citoyens et pour notre pays. Il y a un sondage récent qui m'a fait froid dans le dos, mais qui est en rapport avec mon propos sur cette société fracturée, divisée, incertaine de son sens et de son avenir. C'est un sondage qui était sur la confiance. Et on interroge les Français sur l'affirmation suivante. Peut-on faire confiance aux autres? La question était prudente. La plupart du temps. Peut-on faire confiance aux autres la plupart du temps? Eh bien, savez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, il n'y a que 22% des Français qui pensent cela. Et il y a 60% des citoyens d'Europe du Nord qui, eux, pensent qu'on peut faire confiance aux autres. Donc, dans ce contexte d'affaiblissement des idées et des idéologies, d'incertitude, de doute, de conflit, la laïcité, on se raccroche pour dire au moins ça, c'est une valeur qu'on doit pouvoir partager. La difficulté est que les médias parlent de laïcité principalement, et j'en parlais avec Jackie tout à l'heure, principalement à travers ce qui ne va pas, à travers les conflits, à travers les tensions, à travers les cas qui posent problème. Et je pourrais, si ça vous intéresse, faire une analyse des réactions au rapport annuel, car notre réunion tombe bien, on ne l'avait pas prévu quand on a convenu d'une date, mais elle tombe juste après que nous ayons remis notre rapport annuel, au bout d'un an d'existence, avril-mai, qui est maintenant en ligne, qui est donné lieu à quelques articles. Je prends seulement deux exemples dont sans doute on aura à reparler. La fameuse histoire de la crèche Babylou, qui a défrayé la chronique et qui va continuer, puisqu'on va avoir le énième jugement, plus précisément le deuxième jugement de la Cour de cassation, le 16 juin prochain. Cette affaire a été jugée comme emblématique de la laïcité, a envahi les médias au point qu'on n'entendait plus rien d'autre. Nous avons, nous, Observatoire, rendu un avis sur cette question, comme sur d'autres, et le jour même, nous avons rendu un avis de principe sur ce que permet et ce que ne permet pas la laïcité. Un rappel au droit, qui, à nos yeux, était beaucoup plus important que notre avis sur l'affaire Babylou. Eh bien, sur ce rappel au droit, sur ce qu'est la loi, ce qu'elle permet, ce qu'elle autorise et ce qu'elle n'autorise pas, j'ai eu 15 secondes sur France Inter, un matin, point barre. J'aurais pu avoir toutes les télés, toutes les radios, pour parler de Babylou. Plus récemment, un dossier qui sort, je ne sais pas trop comment. Dans notre société, c'est parfois bizarre, c'est les réseaux sociaux, c'est une question, c'est un individu. Des jeunes filles cadettes d'un club de basket de la région du Mans, dont deux d'entre elles portent, les photos sont pas très nettes, une espèce de foulard, de chèche. Apparemment, ça ne gêne pas leurs camarades. Apparemment, ça ne gêne pas les parents des unes et des autres. Apparemment, ça ne gêne pas les entraîneurs. Mais tout d'un coup, les médias s'enflamment et me disent « Mais enfin, comment vous, président de l'Observatoire, ne dénoncez pas cette scandaleuse atteinte à la laïcité ?» On peut penser ce qu'on veut du dossier, mais ce qui m'a frappé, c'est que là, je pouvais pour le coup de nouveau parler sur toutes les radios, toutes les télévisions. 2 heures de débat aux grandes gueules sur RMC, 1 heure sur RTL. Est-ce que la laïcité se réduit à la question de savoir s'il y a une atteinte à la laïcité quand des jeunes filles d'un club de basket portent un foulard ou un chèche? Ce qui rend le débat brûlant, un brûlot, disait le général Paris tout à l'heure. Et ce qui nous a amené, dans notre programme de travail pour cette année, à un sujet qui vaut, à mon avis, comme citoyen et comme responsable politique, pour tous les sujets. Une discussion franche et loyale, comme on dit en termes diplomatiques, avec à la fois des journalistes et des responsables éditoriaux, sur la manière dont la presse, écrite, télévisuelle, radio et les réseaux sociaux rendent compte des problèmes de laïcité. Avec parfois de véritables fautes déontologiques gravissimes, je pourrais vous en parler. Mon sentiment est que c'est un défaut qui est du système médiatique et politique. On a des bons journalistes, des journalistes sérieux, honnêtes, indépendants, dans beaucoup d'endroits. Mais le système fait qu'il fonctionne sur le scandale, sur l'instant, et sur les divergences et les oppositions, au lieu d'essayer de rendre compte. Et même un journal comme Le Monde, et je ne suis pas en parler avec vous, tombe, notamment sur la laïcité, dans ce travail. Donc, une laïcité qui rentre dans le débat public sous des formes un peu différentes du combat historique, de l'affranchissement par rapport à l'Église catholique depuis 1989,
une hypermédiatisation des conflits et de ce qui va mal, et une instrumentalisation de la laïcité par des forces extrémistes. Notre premier constat à l'Observatoire, je l'ai dit, et bien entendu que nous sommes totalement convaincus et nous essayons de démontrer que la laïcité est plus que jamais utile et nécessaire, et finalement pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Mais qu'on mélange tout, et ça rejoint ce que je disais, la laïcité valeur refuge dans une société qui n'a plus facilement des valeurs, des sens, des repères et un savoir-vivre ensemble. Et donc on mélange tout, des questions d'ordre public, des questions de discrimination, des questions de racisme, des questions d'intégration. Je vais prendre un seul exemple. Nous avons nous-mêmes d'ailleurs peut-être succombé un peu à ce défaut que je dénonce. Nous avons demandé dans un premier point d'étape au mois de juin dernier, nous avons redemandé dans notre rapport annuel, que vous trouvez en ligne, le point que font différents ministères de l'état de la laïcité dans le domaine qui est le leur. Et nous avons interrogé l'intérieur et la justice. Et nous avons interrogé l'intérieur et la justice sur l'application de la loi de 2010 qui proscrit le fait d'avoir un visage masqué en public, qui évidemment est dite loi anti-burqa, c'est bien pour ça qu'elle a été faite. Et c'est une loi d'ordre public. Le gouvernement de l'époque, après avoir hésité, et à mon avis sur le plan juridique, a juste raison, a choisi le terrain de l'ordre public. On ne doit pas dissimuler son visage en public, pour des raisons de sécurité. Et même à la limite, tout simplement, pour des raisons de dialogue, de se regarder, de se voir. C'est pas sur la base de l'atteinte aux droits des femmes, c'est pas sur la base du prosélytisme, c'est pas sur la base de la laïcité. C'est d'abord une question d'ordre public, quoi qu'on pense de cette loi, et je suis prêt à en parler si vous le souhaitez. Donc tout ceci, l'hypermédiatisation, le retour dans le débat public, l'instrumentalisation et le mélange des genres fait que notre travail a consisté d'abord à essayer de dresser, j'en disais un mot, un état des lieux de la laïcité aujourd'hui. Notre conviction, je participe au moins une fois par semaine à des débats comme celui-là et je vais sur le terrain, et le rapporteur général Nicolas Cabanossi et beaucoup de nos membres, et que les valeurs de la laïcité sont très majoritairement partagées par l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient leurs convictions et leurs religions. Bien entendu, le fait qu'ils partagent les valeurs ne veut pas dire qu'ils sachent exactement ce que c'est. Et c'est notre deuxième constat. Il y a un formidable besoin d'information, de pédagogie, d'expliquer, de rappeler ce qu'est la loi, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, de formation à tous les niveaux, pour que, au-delà de cette idée que on est pour la laïcité, on sache réellement ce que ça implique comme droit et comme devoir. Et au fond, les difficultés qu'on constate sont pour nous des difficultés tenant aux incertitudes, aux ambiguïtés, à l'insuffisance de formation et d'information, et à des pressions communautaristes et des revendications nouvelles. Mais je ne mets pas cette question au devant de toutes les autres, au-dessus de toutes les autres. Il y a évidemment, depuis un certain nombre d'années, une montée des revendications communautaristes, identitaires, des pressions qui n'existaient pas avant, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Que ce soit autour de la nourriture halal, que ce soit autour des congés pour les fêtes religieuses. Mais ils vont prendre d'exactes mesures. Ces phénomènes existent. Ils sont nouveaux, ils ne sont pas majoritaires et ils peuvent, dans beaucoup de cas, se traiter par un rappel à la loi. Et c'est aussi pour cela que nous avons publié 3 guides, qui est pour nous peut-être le travail essentiel que nous avons accompli autour de cette année, sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Le premier, que nous avons publié à la fin de l'année dernière, donc assez longtemps avant les élections municipales, était un guide de la laïcité dans les collectivités locales, qui s'adresse à la fois aux élus, aux candidats et aux agents municipaux. Le deuxième est un guide sur la gestion du fait religieux en entreprise. Pourquoi gestion du fait religieux et pas laïcité? Parce que, comme vous le savez, la laïcité ne s'impose pas de la même manière dans des structures publiques, État, communes, services publics, et dans des structures privées, comme les entreprises. Et le troisième, le plus récent, qui porte à la fois sur la laïcité et sur la gestion du fait religieux dans les structures sociales, associatives et socio-éducatives.
Si je prends un petit peu le bilan par secteur, tel qu'il ressort de notre rapport annuel, du côté de l'éducation nationale, qui est évidemment prioritaire par rapport à la laïcité, puisque nous formons les citoyens de demain, bilan de l'application, c'était notre première question, de la loi de 2004, qui a été votée presque à l'unanimité sur la base d'un rapport de la commission Stasi, proscrivant pour les élèves des signes religieux ostensibles et plus ostentatoires à l'école. C'était une innovation. La neutralité s'impose évidemment aux agents publics et particulièrement aux enseignants. Mais la neutralité ne s'impose pas en principe aux usagers. Et là, elle s'impose désormais, depuis la loi de 2004, aux élèves de l'école publique. Le bilan du ministère qui nous a donné au mois de juin dernier, qui nous a redonné tout récemment, nous a surpris. Et nous regardons sur le terrain, non pas du tout en mettant en cause la parole du ministère, mais parce que la vision qu'il donne est beaucoup plus positive que nous n'aurions pensé. Concrètement, ça veut dire quoi? Depuis la loi de 2004, depuis les dernières années, pas un contentieux. Pas un. Peu de cas de difficulté, 10, 20, 30 par an, dont la majorité se règle par le dialogue. Alors je sais bien que tel ou tel a un exemple qui montre que ça ne peut pas se passer comme ça. Je veux bien admettre qu'ici ou là, on mette le problème sous le tapis, pour pas qu'on parle de l'établissement scolaire. Donc on admet, on tolère des comportements que la loi, en principe, interdit. Mais enfin, ça ne peut pas être massif. Et donc la bonne nouvelle pour nous est que cette loi, dans l'ensemble, donne très largement satisfaction et est très bien appliquée. Deuxième point concernant l'école, partageant notre souci pédagogique, le ministère de l'Éducation nationale et en particulier le précédent ministre, Vincent Payon, a, comme vous le savez sans doute, après un gros travail d'experts, de pédagogues, proposé une charte de la laïcité à l'école. Cette charte, qui figure dans notre rapport, est à notre avis un excellent texte, simple, pédagogique, concret. Il a d'ailleurs été doublé d'une initiative de la Ligue de l'enseignement présentant cette charte pour les enfants les plus jeunes sous forme d'une bande dessinée. Et nous avons, c'était notre premier avis, soutenu chaleureusement cette initiative, mais demandé au ministère, rendez-nous compte. Comment ça se passe? Et nous attendons, nous n'avons pas pu l'avoir pour le rapport annuel, un état des lieux. Nos questions sont, une fois qu'on a proclamé la charte, comme ça, j'ai participé avec le ministre, avec Robert Valinter et quelques autres à l'installation dans un lycée de la région parisienne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'affiche seulement? Est-ce qu'on en parle? Comment en parle-t-on? Quels outils ont les enseignants actuels? Quels outils dans la formation des futurs maîtres? Donc nous attendons avec beaucoup d'intérêt, pas avec esprit critique, mais nous avons besoin, dans notre rôle d'observatoire, c'est-à-dire pour observer la réalité de la laïcité, de savoir ce qui se passe. Autre question que nous avons posée au ministère de l'Éducation nationale, celle-là est plus récente et nous n'aurons pas la réponse dans les prochaines semaines, l'enseignement du fait religieux à l'école. Un rapport de Régis Debray, qui date de 2004, avait recommandé qu'il y ait un enseignement dans l'école publique, donc par définition neutre et laïque, de ce que c'est que le fait religieux, pour que chacun puisse avoir une culture, au-delà de ses convictions, de ce que c'est que le fait religieux. Ce rapport avait été presque unanimement approuvé. Au vu de ce que nous connaissons sur le terrain, alors là, pour le coup, nous sommes un peu plus pessimistes. Nous avons l'impression que dans un certain nombre de cas, il ne se passe rien, et dans d'autres, pas grand-chose. Et si tel est bien le cas, c'est vraiment dommage, et nous serons amenés à formuler des recommandations. Deuxième grand secteur, je ne vais pas être trop long, l'entreprise. Ce qui apparaît de l'entreprise, et nous avons travaillé avec des associations de DRH, des directeurs des ressources humaines. Nous avons travaillé avec un certain nombre de grandes entreprises qui se sont saisies depuis longtemps de questions, parce qu'ils avaient des questions de leurs managers, parce qu'ils avaient une main-d'œuvre d'origine étrangère ou étrangère importante. Et nous avons travaillé en liaison étroite avec le Conseil économique, social et environnemental, qui a rendu un avis sur ce sujet l'année dernière. Le constat est à peu près le même partout. Comme on peut s'en douter, il y a beaucoup d'autres problèmes dans l'entreprise. Plus grave. Tous les jours. Mais il y a surtout beaucoup d'incertitudes. Parfois pour les salariés eux-mêmes, vis-à-vis de leurs collègues, parfois pour les syndicats, mais surtout pour les managers, les gestionnaires de proximité. On me demande une salle de culte. Je dois dire oui, je dois dire non.
On me demande une nourriture halal. Je veux dire oui, je veux dire non. On me demande des congés pour pratiquer, pour ne pas travailler le jour de fête religieuse, qu'elle soit juive ou musulmane. Et donc, un certain nombre d'entreprises ont établi des guides qui sont fort bien faits. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, fait un guide tenant compte de toutes ces expériences. D'une manière générale, là encore, ça n'est pas un problème majeur. Si on sait ce qui est permis et interdit, on peut souvent le régler, y compris par le dialogue. Mais avec une idée directrice, qu'a exprimé une de nos membres, qui est très connue actuellement, Dunia Bouzard, qui travaille sur la prévention du djihadisme, ce qui n'est pas directement un sujet à la cité, mais qui a quand même une connexion avec les préoccupations par rapport aux formes extrêmes de religion. Et également, une de nos membres, qui est vice-présidente du MEDEF, en charge de la diversité, qui s'appelle Ariel Carminette. Et ces deux femmes et d'autres s'appuient sur beaucoup d'expériences de terrain. Et au fond, la ligne directrice qu'elles donnent me paraît excellente et fonctionne très souvent. On ne doit pas traiter les demandes religieuses comme des demandes religieuses, ou les demandes professionnelles comme des demandes professionnelles. On regarde si dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, des besoins individuels, qu'ils soient religieux ou pas religieux, sont compatibles avec le travail, avec la bonne marche de l'entreprise. Exemple, il y a des demandes de congés, mais ça peut être parce qu'une maman est enceinte et un peu fatiguée, parce qu'un senior veut commencer à diminuer son temps de travail, parce que dans le partage des rôles entre mari et femme, on veut changer les choses. Ou ça peut être pour une demande religieuse. La demande religieuse, c'est ni plus ni moins que l'aménagement du temps de travail, en ayant d'abord en souci le besoin de l'entreprise, et ensuite, si c'est possible, les besoins des salariés. Même chose pour la viande, halal, ou pour la nourriture. Et ça vaut évidemment avant tout pour les cantines scolaires, ça vaut avant tout pour les cantines des collectivités locales, mais ça vaut aussi, même si les principes juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes, pour les cantines d'entreprise. Le défenseur des droits, le regretté Dominique Baudis, l'avait fort bien dit avant nous, il avait d'abord tenu à rassurer les communes qui disaient « on me demande de servir des repas halal, est-ce que je suis obligé de le faire ?» Répond du défenseur des droits, non, bien entendu. À quoi nous ajoutons-nous, l'Observatoire, en allant un peu au-delà de la loi actuelle, non seulement vous n'êtes pas obligé, mais nous vous déconseillons de le faire. Le repas est quelque chose qui se prend en commun. On peut imaginer, si on allait dans ce sens-là, notamment à l'école, et je connais un cas, où on a une table halal, une table cachère, une table des autres. Vous voyez ce que ça peut représenter pour des raisons pratiques de la communauté éducative. Alors qu'on peut, là aussi, ne pas traiter à part les préceptes religieux ou les demandes religieuses. Il y a des gens qui sont allergiques. Il y a des gens qui sont végétariens. Il y a des gens qui n'est pas suffisant. Donc on fait des menus avec du choix. Ce qui est meilleur pour la santé, et on peut avoir des menus avec viande ou sans viande. Donc ce sont des choses qui sont assez simples finalement, mais dont l'expérience montre que ça permet de résoudre une grande majorité des problèmes qui se rencontrent dans l'entreprise. Je voudrais, en m'approchant de la fin, vous signaler deux initiatives intéressantes. Intéressantes parce que dans des champs différents, elles nous paraissent représenter un exemple à réfléchir, à discuter, à méditer, de ce qui se fait beaucoup en France. Il y a beaucoup d'initiatives intelligentes et intéressantes pour promouvoir et défendre la laïcité, beaucoup plus qu'on ne le croit, et beaucoup moins que, hélas, les médias, sauf la presse régionale, n'en parlent. La première est sur un terrain un peu délicat du point de vue de la laïcité. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons rencontré 5 jeunes qui ont parcouru le monde, 50 pays, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé une initiative interreligieuse. Donc là, nous avons une petite discussion. C'est, l'interreligion, c'est très bien, mais ça n'est pas directement la laïcité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis à 5, très jeunes. Un athée, un agnostique, un catholique, un musulman et un juif. Et ils ont parlé du vivre ensemble dans 50 pays du monde. Et ils sont en train de faire une tournée en France, où naturellement ils retrouvent la question de la laïcité. Car la première chose que permet la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Deuxième initiative intéressante, dont j'espère qu'elle va aboutir bientôt, et qu'elle va bien aboutir, et si elle aboutit, ce serait une très grande première que beaucoup pouvaient souhaiter, le Conseil français du culte musulman, qui a été institué depuis pas mal de temps par les ministères, je ne suis pas d'accord avec vous, laissez-moi finir, par les ministères de l'Intérieur successifs, la difficulté étant que l'islam n'a pas de structure institutionnelle et la difficulté subsidiaire étant que c'est l'objet de batailles entre des musulmans d'origine algérienne, marocaine ou autre. Toujours est-il que le Conseil français du culte musulman, et je vais vous dire pourquoi il a servi à quelque chose. Lors de la loi de 2004
sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école. Le Conseil français du culte musulman avait dit « Nous sommes contre ». Le jour où la loi a été votée, il a dit « Il faut l'appliquer ». Mesdames et messieurs, je pèse mes mots. J'aimerais bien que l'ensemble de l'Église catholique, avec un certain nombre de ses évêques représentants, adopte le même respect de la loi par rapport au mariage pour tous, qu'on soit pour ou contre, dont on fait preuve les musulmans sur la loi de l'Église. Et j'ajoute, sur le sujet qui nous intéresse, qu'un travail a été entrepris par Dali Boubaker, le recteur de la mairie de Paris, pour faire ce qu'ils appellent une convention. En fait, c'est un texte sur lequel les musulmans, dans l'état actuel du texte, qui a des conflits à l'intérieur lui aussi, reconnaîtraient, bien entendu, mais ça va mieux en le disant, que les musulmans de France acceptent, sont favorables, adoptent la laïcité. Ils ajouteraient qu'ils sont expressément contre la burqa, ça va mieux en le disant. Ils ajouteraient, je dis au conditionnel, car il y a sûrement débat chez eux, qu'il n'est pas question, au nom de l'islam, de refuser que sa femme soit soignée par un médecin. Si pour cela, ce sera un très grand progrès, je signale ça comme une initiative intéressante. Et j'en reviens pour terminer à ce qu'est la laïcité, qui au fond est assez simple, mesdames et messieurs. Il faut sans arrêt rappeler que c'est d'abord une liberté. C'est une conquête historique, vous le savez, produit d'une longue lutte dans l'histoire de France et aussi ailleurs, où elle s'installe plus ou moins bien. Liberté de croire ou de ne pas croire. Vous savez, il y a des tas de pays dans le monde où on n'a pas le droit de ne pas croire. On a encore moins le droit de changer de religion. Deuxièmement, la neutralité absolue de l'État, qui n'est sous l'influence d'aucune religion ou d'aucune idéologie. Troisièmement, l'indépendance de l'État par rapport aux religions. Et ça veut dire que la laïcité, contrairement à parfois, ça n'est pas seulement les conditions pour un vivre ensemble, avec nos différences de culture, d'histoire, de conviction. La laïcité, c'est le cœur de la République, parce qu'elle repose sur le fait que nous sommes des citoyens. Nous avons nos histoires, nos origines, nos identités religieuses ou autres, nos convictions philosophiques ou autres. Mais nous sommes des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et cette simple affirmation est pour moi la clé de la République, la clé du vivre ensemble, c'est pourquoi nous sommes confiants à l'Observatoire et bien au-delà dans l'avenir de la laïcité française. Merci beaucoup. Merci. Après qu'il mange. Attends qu'il mange d'abord, là.